Bonjour à tous. Alors, je regarde si ça filme. Oups. Oui, ça filme, c'est très bien. Désolé. Alors, donc aujourd'hui, je vais tester Trend Micro Web Protection Atone. Donc, déjà, j'ai galéré un petit peu pour le faire fonctionner. Donc, je suis passé en mode plein écran sur la machine virtuelle. Alors, Trend Micro Web Protection Atone, c'est un Atone. Donc, qui va en fait vous protéger votre ordinateur des sites web dangereux. Donc, en fait, il connaît des liens malveillants. Donc, il peut mettre en fait à mal votre ordinateur. Et lui, en fait, son rôle, c'est à vous empêcher tout simplement à y accéder. Sachez que vous pouvez le coupler avec sans problème avec certains antivirus. Par exemple, les antivirus qui n'ont pas de filtrage web. Il peut aussi fonctionner tout seul. Moi, personnellement, sur ma machine virtuelle, sur ma machine réelle, pardon, il fonctionne tout seul. Je l'ai juste complémenté avec Malwarebytes Pro, c'est tout. Et enfin voilà. Donc là, l'outil qui s'installe super rapidement. Voilà. Alors voici l'interface qui est vraiment très très épurée, je dirais. Malheureusement, c'est en anglais. Donc voilà. Alors, Trend Micro Web Protection Add-on. Donc c'est protection du web. Protégez votre PC des liens malveillants, des menaces, ECAS, Security, Take Control du computer. Et gardez le contrôle de votre PC. Contre les criminels. Vous êtes protégé contre les sites dangereux. Votre PC est protégé, voilà. Donc là, vous avez les... Donc après, il va vous dire à peu près tout ce qu'il a détecté. Et là, on a les réglages. Alors, Enable Web Protection. Yeah. Donc en gros, c'est activer la protection du web. Protection level medium. Donc c'est moyen. Afficher une alerte quand une menace est détectée. Et là, c'est pour mettre un proxy. Donc, c'est super simple. Enfin, il n'y a rien dans l'interface. Ici, non plus. Donc, voilà. On va voir combien il consomme le petit, mais là, je ne sens vraiment pas de ralentissement. Enfin, c'est qu'un bloqueur de site. Hein. Enfin, moi, chez moi, il fonctionne tout seul. Alors, donc, le voilà. Donc, c'est Trim Proxy qui prend 2 mégas. Plus. Le service qui prend 3 mégas, plus le trait qui prend 672 kilo-octets dans la mémoire. Donc c'est super léger. Le PC il a rien. Allez, donc là, on va tester les URL. Donc bien sûr, quand les URL ne seront pas détectées par Trend Micro, je ne l'exécuterai pas parce que il ne reconnaîtra pas les menaces comme un vrai antivirus. Par contre, je sais très bien qu'il adore les liens dangereux et les bots. Donc voilà. Donc un bot, c'est un logiciel qui va en fait d'abord installer un cheval de Troie pour contaminer votre PC. Puis après, va ouvrir une connexion comme ça sur Internet pour contrôler votre PC. Donc il y a deux façons de contrôler votre PC. Premièrement, certains chevaux de Troie installent un backdoor. Donc un backdoor, c'est une porte dérobée. Qui va en fait faire un transfert de données, donc de paquets, entre le pirate et vous. Donc c'est une connexion par modem. Donc après, c'est très simple. La deuxième, c'est consiste à créer en fait un réseau de botnet. Donc ça, c'est la version très courante. Donc c'est un réseau de botnet. Donc un réseau de botnet, en fait, ce sont des ordinateurs zombies. Donc ça veut dire des ordinateurs contaminés par le bot, qui sont en fait sous les ordres du pirate. Donc, il y a deux façons aussi de contrôler. Enfin, la façon la plus, je dirais, la plus utilisée, ce sont en fait des contrôles en réseau IRC avec MIRC, etc. Donc, en fait, une petite commande IRC, ça peut en fait soit votre ordinateur d'envoyer du spam, faire des attaques sur les sites internet, et même utiliser votre PC pour héberger des images obscènes, je dirais. C'est beaucoup l'habitude ou des logiciels pirates, etc. Bref, donc là, on va tester. Donc là, j'ai pris le premier lien tant que je lisais l'explication du pote. Alors, voilà. Donc ça, c'est l'alerte de Trend Micro. Alors,
bloqué par Trade Micro. Trade Micro Web Protection Aton a identifié la page Internet comme étant indésirable. Donc là, vous avez l'adresse du truc et la réputation de la page dangereux. Donc là, Si jamais c'est un faux positif, vous pouvez faire report. Donc voilà. Rassurez-vous, ça sera analysé. Alors donc là, il me dit menace web trouvée. Web protection Aton a bloqué un truc sur la page. Donc voilà. Donc après, cliquez sur Clean White House Scale pour en fait désinfecter votre PC. Donc en gros, il vous bloque la page et après il vous donne une petite recommandation. Par exemple, si vous aviez, je sais pas, par exemple si vous avez un virus, parce que il peut aussi bloquer les connexions si vous avez un cheval 3. Donc vous cliquez là, vous téléchargez le Houscale. Donc c'est un outil gratuit de Trade Micro de désinfection et après bien en fait, il va vous détecter le truc et il va vous le supprimer. Enfin là, c'est le test. Donc là, vous avez ça. Donc là, il vous dit que 5 URL analysées et 2 infections ont été bloquées. Donc là, vous pouvez resetter. Donc ça veut dire on a ça. Bien sûr, tout est enregistré dans le log. Comme ça, voilà. Enfin, ça, le reset, on le fera à la fin du test. Je ne vais pas le faire à chaque fois. On perd trop de temps sinon. Et ça, enfin, c'est un logiciel de rançon qui a été détecté. Enfin, voilà. Enfin, c'est très bien. Enfin, Trade Micro ont toujours été efficaces dans les blocages web à la source. Alors ça, normalement, c'est un cheval Qui se voit détecté. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est très bien. Ça, c'est une exploitation de faille de l'ordi. Voilà. Donc là, c'est reconnu, c'est très bien. Pour l'instant. Ça va. Notez qu'il n'y a pas d'autres logiciels qui tournent. Alors ça, c'est un botnet, voilà. Donc c'est un Trojan Zeus qui va en fait s'installer, zombifier votre PC. Alors là, on y va. Donc là, il est reconnu, c'est très bien. Donc voilà. Donc ça fait quand même depuis 2009 que le programme fonctionne. Mais il vous protège toujours. Enfin voilà. Alors ça, c'est un zéro accès d'après ce que j'ai vu. Bloqué par Trend, très bien. C'est même pas ma protection qui fonctionne. Ma protection, elle est désactivée comme tout test. Un autre cheval de 3. Parce que comme ça, c'est génial. Bon, bien sûr, je n'insiste pas vu qu'il n'y a pas d'antivirus qui tourne derrière. C'est juste un bloqueur de site en fait. Donc là, je vais créer un nouvel onglet et je vais continuer à tester. Alors, oups, voilà. Oh, mais oh. Je veux ça moi. Alors donc quand je me suis battu avec l'URL, la page ne fonctionne plus. Donc là, c'est sur le deuxième hébergeur. Alors, cheval le 3. Bloqué par trend. Super. Hop. Ça, c'est une attaque. Je crois que c'est une attaque. Enfin, je crois. On y va. Bloqué. Ah non, non, c'est d'accord. C'est la page qui marche plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tab killer. Cool. Vous voulez killer une table? Bah, téléchargez Tab killer. Il va le faire pour vous. Ça, c'est super. Hein. Webgva.com. Yeah, site pourri. Ok, c'est un site qui marche plus. Site qui marche plus. Donc ça, c'est une attaque Facebook, d'après ce que j'ai vu. Enfin, maintenant, les attaques Facebook, c'est super cool. Bloqué par trend, comme ça, on n'en parle plus. Oui, je sais, je suis fait un petit peu fatigué parce que je reviens de cours. Voilà. Alors ça, c'est Claude Web. Yeah, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est un rogue ou un cheval de 3, je ne sais plus. Enfin, voilà. Bon, je m'en fous, c'est repéré. Je crois que c'est un rogue. Enfin, Web, Monsieur Trend Micro l'a détecté. Hein. Donc c'est super. Ça, c'est un rançon d'après ce que j'ai vu. Donc rançon, enfin, ce sont des logiciels qui attaquent tout de suite, qui bloquent votre ordinateur et en échange une rançon. Voilà. Donc là, c'est détecté. Très bien. Alors ça, c'est très violent. Si
Avec, donc, si vous voulez voir, vous pouvez voir les anciens tests, donc avec Clamvin, Zilia, Untread, etc. Pas mal d'antivirus sont fait défoncer par ça. Le seul qui l'a arrêté en test, c'était Webroot, que je félicite encore. Trend le détecte. Bon, bah, Trend le voit, pas de problème. Enfin, voilà, Trend, il en fait partie. Alors, donc là, c'est un de cheval. Donc, pour l'instant, c'est un 100%. Il trouve tout. Pour l'instant, enfin. Trend avait toujours cette réputation-là de tout bloquer. Voilà, ça s'est détecté. Ah non, bah non. Ah, comme quoi. Comme quoi, tout n'est pas bloqué. Donc là, ce que je fais, en fait, je vais l'enregistrer et je vais l'envoyer à VirusTotal après. Voilà. Donc là, il y a un machin qui est passé. Donc ça, c'est encore une attaque du JPG. Voilà. Toujours faire très attention sur Internet. Hé, hey, non, mais oh, toi. Alors, on y va. Bloqué par trend, comme ça, c'est bon. Autre IRL. Non, non, non. Hop là. Alors, est-ce que trend va détecter ce truc-là? Oui, c'est très bien. Bravo. Alors ça, c'est une attaque de TXT ou un Troyen qui déclenche en TXT. J'ai jamais vu ça. Bon, c'est la première fois. Bloqué par Trend, comme ça, on ne parle plus. Bon, toi, tu m'énerves un petit peu, toi. Une attaque PDF, je pense que c'est super. Enfin, voilà, c'est à la mode aussi. Hein. Tout est à la mode. C'est détecté. Génial. C'est trop, c'est cool. Alors ça, c'est un ROG, donc c'est un nouveau ROG qui s'appelle AV System 2012. Je ne l'ai jamais vu. Enfin, je l'ai eu hier en testant la version bêta de Panda en solo. Donc il était passé, donc voilà. Bon, donc là, c'est pas de chance. Il est repéré. Enfin, je ne sais pas ce qu'il, je sais plus ce qu'il fait. Hein. Mais je sais qu'il est assez direct, lui. Voilà. Alors, autre choix de 3. Donc c'est la dernière URL. Et là c'est une adresse IP. Donc je ne sais pas s'il connaît les adresses IP, normalement oui. Parce que ça fait partie d'un botnet. Voilà, il a détecté. Donc voilà. Donc là pour l'instant, blocage web, ça va, c'est très bien. C'est un bon boulot. Il y a juste ça qui est passé. Donc là, ce que je vais vous proposer, je vais l'envoyer à VirusTotal. Donc voilà. Alors pour VirusTotal, maintenant ce que je fais quand j'envoie un truc suspect, je vais sur le site New VirusTotal. Pourquoi? Bon, déjà le service est un peu moins chargé. Donc comme ça, je suis tranquille. Et aussi parce que voilà. Alors je ne sais plus beaucoup le site. Des fois, je le trouve pas. Bon, je vais taper New Virus. Je sais plus si c'est comme ça. Si c'est comme ça. Parce que c'est un ami qui me l'avait donné. Je galère. Je crois que c'était comme ça. Bon, bah tant pis. On va aller sur l'ancien. C'était pas faux d'essayer. Alors, donc là, on va accéder à VirusTotal. Donc, je vais envoyer le truc. Ah, bah, ils ont changé. Ah, bah, ils ont changé le site, c'est très bien. Voilà le nouveau VirusTotal que je voulais vous proposer. C'est ballot maintenant, ce qui ne scanne plus les pages web comme avant. C'est con, hein, mais bon. Enfin, c'est vraiment très ballot, hein. Alors, on scanne. Donc, on va voir quel antivirus va le trouver. Bon, je t'ai déscanné, toi. Non. On ne peut pas. Alors, quand ça va. Il y a une solution à faire, c'est avec Google, télécharger virus total. Oups, oh, bah, je sais plus écrire moi. Ouh là là. Alors, virus total uploader. Donc, c'est un logiciel en fait qui va envoyer. Donc, en fait, vous pouvez Demandez au programme d'envoyer le logiciel sur les serveurs du réseau total.
Bien sûr, je prompte sur le site officiel. Enfin, c'est la première fois que j'utilise ce logiciel-là. Enfin, voilà. Bon, ben, est-ce que je peux le prendre? Maintenant, ils ont tout changé. Maintenant, tu peux le planter. Je cherche le truc. Non, il ne veut pas me donner. Bon, ben, moi, je veux voir ce que c'est, moi. Oh. Bon, je le prends chez Clubic. Hein. Je suis un feignant, je le prends chez Clubic. J'ai que ça à faire. Bon ben monsieur, est-ce que je peux prendre mon truc? Un PC qui ralentit. Ouais, une petite pub pourrie. Hop. Est-ce que je peux télécharger mon Total Uploader, s'il vous plaît? Hein? Je peux pas, petit. Petit, petit. Petit, petit. Gentil, petit. Non, 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 non. Oui, mais. Je vais prendre un serveur super rapide, s'il vous plaît. Non. Ok, bon, on prend le serveur qu'il me propose. Hein. On va être gentil avec lui. Télécharge. Bien sûr, avec ma super connexion, ça va super vite. Hop. Alors là, j'installe VoxTotal. Uploader, je précise. Donc, c'est pas pour test, hein, c'est juste pour voir ce petit programme-là. Super bizarre que je vais envoyer à VirusTotal. Voilà. Donc là, ça m'envoie. Ça ouvre le navigateur. Donc si j'ai analysé, je vais le réanalyser. Voilà, donc là, le rapport. Donc là, il est quand même beaucoup détecté. Alors, il est détecté par AnLab, Antivir, Anti, Avast, AVG, Bitdefender. Quickel, ClamBV, ComTouch, Komodo, etc. Il est détecté par tout le monde, sauf par Fortinet. Fortinet le voit pas. Prévix le voit pas. Et Virgo ne le voit pas. Donc c'est un crimber. Alors je vais faire la recommandation. Notre ami Web Protection Anton le faisait à chaque fois. Je vais utiliser House Call pour voir en fait si le chop. S'il le détecte. Donc je tape House Call sur Google. Je sais, je suis un petit peu long à la détente. Donc en fait, c'est juste pour voir en fait si les outils gratuits en train de micro vont le détecter. Alors bien sûr, je suis en 32 bits. Donc je prends la version 32 bits. Enfin, je vais juste scanner le bureau. Je vais pas tout scanner hein, et ça prendra 3 heures. Enfin, avec mon super PC de la mort. Hop, là je l'exécute. Toi on s'en fout. Alors est-ce que petit tu l'exécutes? Oui. Donc là, il télécharge les mises à jour sur les serveurs de chez Trendmicro. Donc le petit Web Protection Anton, vous pouvez le mettre. En complément avec votre antivirus, si vous n'avez pas de filtrage web, ou si vous pouvez le mettre tout seul, si vous faites juste de l'internet. Enfin, voilà. Donc là, on attend avec impatience que monsieur, notre ami House Call, veut bien faire son truc. Donc là, en attendant, ce que je vais faire, je vais quand même essayer mes petits rogues, les petits anti-spyware et tout ça, parce que j'ai envie de voir si c'est détecté. Parce que c'est génial, hein. Vu que Monsieur House Call, il va prendre un petit peu de temps pour ses petites mises à jour. Moi, je vais voir s'il les trouve. Normalement, la version Titanium de Trendmicro, la version payante, le détecte. Non. Et lui, le détecte. Voilà. Ok. Donc là, il le trouve. Donc ça, anti-spyware, ça fait un de moins. Lui, pas de problème. Alors, maintenant. À des vrais professionnels. Hop. Alors, est-ce que tu vas le voir? Oui. Et pour terminer, je vais essayer mon truc à moi, mon petit ami Recroled. Oups.
que j'adore toujours essayer. Ok, lui aussi il trouve pas mal. Enfin, lui il fait rien, il fait juste gigoter le navigateur. Voilà, donc là j'accepte les contrats. Donc là c'est Oscall qui a fait sa mise à jour. Je paramètre. Je fais un scan personnalisé. Je vais chercher le bureau. Donc c'est Document Sending, Manzai, bureau. Et je scanne. Et je pourrais voir enfin s'il trouve en fait le cheval de Troie qu'on a sur le bureau. C'est juste complémentaire, je dirais. Donc je ne peux pas faire pause avec mon logiciel d'enregistrement vidéo. Donc je ferai de mon mieux. Enfin, c'est juste pour voir en fait s'il détecte. Hein. Moi, je peux les infecter à la main, je dirais, mais là, c'est juste pour voir en fait. Ce que je reproche beaucoup à Trade Micro, c'est que les on dit scan et froid. Donc voilà. Alors donc là, voilà, donc lui aussi le détecte. Voilà. TSPW, Kimber, voilà, c'est détecté. Très bien. Bien sûr, on va l'éliminer. Hein, parce qu'il lui propose, on l'élimine. Comme ça, on n'en parle plus. Élimination des éléments détectés. Laissez cette fenêtre ouverte jusqu'à que House Call est terminé. Si vous fermez cette menace, vous devez redémarrer le scan pour supprimer toutes les menaces restantes. On a vu que le petit programme est parti. Donc voilà. Voilà. Alors, récapitulatif. Donc là, on peut faire plus d'informations. Une menace détectée, une menace éliminée. Donc là, on peut soit scanner de nouveau ou soit fermer le programme. Donc je ferme le programme. Alors, en tout, sur les URL, donc là, il nous dit pas combien il a traité, combien il en a traité. Mais là, enfin, il a traité tout ça. Hein. On a toute la liste du URL traité par Trade Micro. Il en a traité 38 en tout. Il a scanné 218. Donc là, le 38, en fait, il y a les favicons et les URL bloqués. Alors, qu'est-ce que je peux en dire de Trade Micro Web Protection Atom? Alors déjà, bon ben, il garde l'efficacité du blocage à la source. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'utiliser tout seul si vous faites juste de l'Internet. Donc ça veut dire voir vos mails, Facebook, forums, etc. Si vous faites tout ce qui est trucs dangereux, par exemple site pornographique, crack, peer-to-peer, etc., il vous faudra ben soit migrer vers la version payante ou prendre un complément, donc par exemple Malwarebytes Pro ou etc. ou même Panda, et lui mettre votre protection Atom de côté, donc avec le produit. Alors, donc là, je vais fermer ma machine virtuelle. Comme ça, je suis tranquille. Donc voilà, donc là, c'est mon instantané que je restaure, que je lance à chaque fois que je teste. Donc voilà. Donc, Trade Micro Web Protection Atom est à conseiller. Vous pouvez le complémenter si vous voulez, le mettre tout seul si vous voulez. Par contre, n'est pas faire d'usage dangereux. Alors, merci d'avoir vu ma vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Bye!